Aujourd'hui, je suis reçue par Pierre Gambini, un artiste un peu touche-à-tout. Il sait tout faire. Composer des musiques, produire des documentaires et plein d'autres choses. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Alors, je vais te poser quelques questions. Oui. La première, qu'est-ce que c'est le métier de compositeur ? Comment on devient compositeur ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Alors, il y a plusieurs façons, je pense, d'arriver à la composition musicale. Après, je pense qu'il y a une envie qui est très forte déjà, et puis après il y a des chemins, il y a des musiciens qui ont un parcours avec en allant au conservatoire de musique, en apprenant la musique, et puis il y a des cours particuliers pour la composition musicale au conservatoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enseignement de ce métier, on va dire. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai appris, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris de moi-même la musique, c'est-à-dire j'ai appris à jouer d'un instrument avant de savoir lire une partition. J'ai appris à lire des partitions beaucoup plus tard. Je ne suis pas passé par un cursus, par une voie classique en fait. Donc je suis arrivé à la composition par, je pense, une curiosité qu'il y a en moi, c'est-à-dire j'ai une grande curiosité, et dès que j'ai commencé à accéder à un instrument qui m'a permis justement de pouvoir faire d'autres choses que les autres enfants du quartier ne faisaient pas, par exemple. C'était aussi une histoire de me démarquer aussi des autres. Et ben ça m'a permis justement de savoir un peu. Puis j'avais envie de pourquoi deux notes qui s'associent, trois, quatre notes font une mélodie, pourquoi trois notes qui sont jouées ensemble font un accord. Voilà. Tout ça, ça m'a beaucoup questionné. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des chansons. Voilà. Ok. C'est comme moi, hein. Moi aussi, j'ai commencé à jouer d'un instrument avant de lire les partitions. Du piano. Très bien. J'aime bien le piano. Et tu lis les partitions maintenant ? Oui. Bon. Oui, un peu. Tu as pris des cours ? Ouais. Oui, des cours. Bah, je te rassure, moi aussi un petit peu. Toujours maintenant. Ouais. Alors j'ai vu que tu avais produit la musique de Mafiosa. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es allé jusque-là ? Pourquoi tu l'as produit ? L'histoire un peu. En fait, si tu veux, j'ai commencé à faire des chansons ici, en Corse. Avec la langue corse, avec un univers qui appartient, je dirais, à la chanson corse, j'ai commencé à faire, à mélanger cette musique avec d'autres musiques qui venaient de l'extérieur, avec de la pop, avec de l'électro, avec du rock, avec des genres musicaux, je dirais, qui sont... Et ça a beaucoup plu, je pense, au réalisateur à l'époque, Pierre Letch, qui était en repérage ici en Corse, qui cherchait des lieux, et il est tombé sur une chanson à moi à la radio. Et du coup, on m'a appelé, on m'a demandé si on pouvait utiliser quelques-unes de mes chansons. J'ai dit oui. Et puis le courant est bien passé. La productrice m'a demandé si je pouvais faire plus. Donc du coup, j'ai développé une nouvelle facette, en fait, je dirais, de mes créations, c'est-à-dire aller vers aussi bien le blues contemporain, que la musique parfois même rock, et la musique qu'on appelle cinématique, c'est-à-dire la musique de film. Donc mélanger un peu tous ces genres pour créer justement un univers qui je pense, colle bien à la série. Ok. Et est-ce qu'il y a des idées reçues sur les artistes corses ou sur les artistes tout court même, sur les musiciens ? Ah, il y a des idées reçues sur les artistes, ça c'est sûr. Et il y a des idées reçues encore plus sur les artistes corses, je pense. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, on vit... dans un monde où l'information est balancée très rapidement et les gens l'ingurgitent peut-être beaucoup trop rapidement sans forcément avoir un esprit critique pour le coup et sans forcément pouvoir se poser les bonnes questions. Donc c'est humain, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir simplifier les choses, à vouloir se dire, bah, par exemple, il y a une idée reçue sur les artistes qui est vieille comme le monde, hein, c'est qu'un artiste qui pourrait vivre normalement, avec de l'argent, en créant et tout ça. Et c'est encore aujourd'hui une idée qui n'est pas forcément, peut-être pas bien perçue, mais c'est une idée qui ne colle pas à l'artiste qui est pauvre, qui est en train de souffrir, qui n'a pas forcément les moyens de payer son loyer, oui, voilà, qui, pour du coup, va devenir un artiste génial et dont on va reconnaître le grand talent lorsqu'il ne sera plus là. Ça, c'est des idées reçues qui existent encore un peu aujourd'hui. Pas totalement, mais qui sont encore là, voilà. Sur la Corse, les idées reçues, elles y sont, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire, il y a eu une médiatisation de la Corse pendant ces 30 dernières années qui n'était pas forcément, qui n'était pas forcément sur les, comment dire, sur les bonnes choses, quoi, voilà. Et du coup, ça a créé une image de la Corse à l'extérieur, mais qui n'est pas si récente, qui est une vieille image aussi qui existe depuis très longtemps.
qui existe dans l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans la tête des gens, ils ont des idées reçues sur ça. Voilà. Et c'est très difficile de s'en détacher parce que tant qu'on n'a pas forcément vécu le contraire, ou tant qu'on n'a pas forcément eu une expérience contraire, on a du mal, je dirais, à se faire une idée précise des choses. D'accord. Et d'ailleurs, quelle est la place de l'esprit critique dans ton métier ? Alors, l'esprit critique dans mon métier est lié à chaque étape, vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'on compose, lorsqu'on est dans un métier artistique, lorsqu'on crée, si on se remet pas en question, si on n'a pas de doute, c'est que pour moi on est un très mauvais créateur, on est un très mauvais compositeur, on est un très mauvais artiste. Pourquoi ? Parce que le processus de création, il s'appuie vraiment sur ça, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle un processus d'itération. Je vais t'expliquer ce que c'est parce que c'est un mot un peu compliqué, mais l'itération, c'est par exemple, j'ai une idée, je vais la contester, je vais la remettre en cause, d'accord, je vais la critiquer, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et pour arriver à un moment donné à une idée qui va être façonnée et qui a été, je dirais, soumise à plusieurs critiques et dont je sais que à partir du moment où elle a été soumise à plusieurs critiques qui viennent de différentes façons, je sais que là, elle arrive à un endroit qui devient plus, à un endroit l'idée devient plus fiable. Voilà. Ça, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire, quand je compose une musique, j'écris quelque chose, et très souvent, les premiers jets font référence, si tu veux, à ce qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, ce qu'on appelle des idées reçues, ou pas forcément des idées reçues, mais c'est-à-dire des choses faciles, voilà. C'est des stéréotypes, ce qu'on appelle, voilà. Donc, quelque chose de facile qui arrive en musique, si on le laisse, c'est que vraiment on a touché direct au bon endroit, c'est rare. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse dessus, on réécrit, jusqu'à arriver à un moment donné à quelque chose qui tient la route, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est quoi le risque si on n'en a pas d'esprit critique ? Si on n'a pas d'esprit critique, on est ce qu'on appelle pour moi dans les lieux communs, c'est-à-dire qu'on est on est dans la facilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de facile et qui ne devient pas contestable. On est dans une certitude. Les certitudes, elles appartiennent pas, je dirais, au monde de la démocratie. Les certitudes, elles appartiennent pour moi au monde de la dictature, donc c'est-à-dire quelque chose qu'on nous impose. Donc lorsqu'on me donne quelque chose, et si je l'accepte d'emblée, c'est que je suis formaté pour accepter ce qu'on vient de me donner. Par contre, si je ne l'accepte pas, je le remets en question, pas en doute, mais si le remettre en doute et en question sans rien faire derrière, c'est pas bon non plus. Mais par contre, si je le remets en doute et que je réfléchis à ça, et que je me dis, peut-être qu'il y a d'autres voies, peut-être qu'il y a d'autres solutions, peut-être que les choses sont pas forcément comme on me les annonce, et peut-être qu'il faut réfléchir par soi-même, il faut peut-être regrouper plusieurs informations de différents endroits pour pouvoir, ça revient un peu le processus de création, c'est-à-dire l'écriture musicale, c'est-à-dire de réécrire, jusqu'à arriver à un moment donné à quelque chose dont on sent qu'on tient le bon bout. Donc c'est un peu pareil pour les idées qu'on nous donne, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, il faut avoir du temps pour ça, et on vit dans une société qui nous en donne peu. Et c'est pour ça que c'est une société qui est dangereuse, parce qu'elle ne laisse plus, je dirais, la place à l'esprit critique, et donc à l'esprit critique qui appartient au monde de la démocratie. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 10 ans que tu étais ? Alors, je lui dirais de se faire plus confiance, parce que j'étais quelqu'un de très timide et qui n'avait pas confiance. J'avais pas confiance en moi. J'avais un rapport aux autres qui était pas simple. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans une société qui était quand même un peu violente. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore aujourd'hui, mais dans le monde de l'enfance, ça ne doit pas être très simple. Mais en tout cas, moi, j'avais un rapport à la violence qui était très, très particulier. J'aimais pas ça vraiment. Je détestais ça vraiment. Et je vivais dans un monde où on me demandait d'être un homme, d'être viril. Voilà. Je suis devenu un peu malgré moi, mais dans l'apparence, mais pas dans le fond, pas dans ce que je suis. Voilà. Mais par contre, je dis à l'enfant que j'étais, je lui dirais de se faire plus confiance, c'est sûr. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, quel est ton instrument préféré ? C'est le piano, Moi, je joue de la guitare essentiellement, mais après, j'ai pas vraiment de préférence. Quand on crée, quand on compose, en fait,
il faut savoir accepter tout, même les choses qu'on n'aime pas. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'une musique que j'aime pas, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi je l'aime pas. Et il faut essayer de comprendre pourquoi elle fonctionne de cette manière et pourquoi d'autres gens l'aiment. Ça, c'est parce que c'est mon métier qui veut ça, de compositeur. Hein. Mais je pense que c'est un exercice qui est bien à faire, même pour les autres aussi. C'est de se dire pourquoi quelque chose... Rejeter quelque chose sans savoir pourquoi on le rejette, c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça que ça fait appel aussi à l'esprit critique, aussi quelque part, et de s'autocritiquer. C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, je rejette quelque chose, alors que, visiblement, il y a d'autres personnes qui l'aiment. Donc, c'est aussi de se remettre en question, tout simplement. Oh, d'ailleurs, je sais pas si c'est toi, hein, mais j'ai vu que quelqu'un avait créé un instrument qui s'appelle Géométrie KO. Qu'est-ce que c'est ? Avec un fil et des ressorts, mais je ne sais pas vraiment. C'est pas moi, non. Non, non, mais je crois que tu fais référence à un instrument artisanal, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est en bois, avec des fers, avec... Ouais. C'est un instrument qui est fait par un sarde que j'ai acheté. C'est un instrument qui permet de faire des sons gigantesques, en fait, quand on met des effets dessus. Et j'aime beaucoup le son, c'est-à-dire j'aime beaucoup travailler sur le son, en dehors des mélodies, de la composition, j'aime beaucoup aussi, voilà. Et du coup, c'est un instrument vraiment qui m'a beaucoup aidé pour faire des choses, des musiques un peu angoissantes, ça fait appel à la musique contemporaine aussi, il y a des choses, des univers comme ça inexplorés, moi j'adore ces univers-là, qui sont pas plaisants des fois, même à écouter, je dirais, comme ça, mais par contre qui sont très riches et très profonds, donc voilà. Et cet outil, cet instrument-là, en tout cas, ouais, je m'en sers. J'en ai deux à la maison, j'en ai deux différents. Ouais. Oh, et si tu devais composer une musique pour le générique de ZTAP, tu partirais sur quoi ? Alors, je ferais une musique qui se développe, qui s'arrête, et qui repart sur autre chose, et qui s'arrête, et qui repart encore sur autre chose, et qui s'arrête. Et qui, voilà, c'est de cette façon que j'illustrerais l'esprit critique. Voilà. Très bonne idée, peut-être que je vais changer le générique. Bon, il est bien. Et dernière question, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir compositeur ? C'est venu malgré moi. Mmh. Je pensais pas faire ce métier un jour comme je l'ai fait. Quand j'étais jeune, je ne m'imaginais pas faire ça. Je ne savais pas trop quoi faire d'ailleurs. Je pense que je n'avais pas vraiment d'idée. Je pense que j'ai plus de prédisposition pour l'image et pour être comédien, chose que je n'ai jamais encore fait jusqu'à présent. Mais j'ai toujours eu des facilités dans certains domaines, comme la chimie par exemple. J'étais très bon en chimie, sans vraiment travailler, c'était un don que j'avais. Je ne l'ai pas creusé par contre cette voie, et puis j'avais des facilités pour jouer d'un instrument, donc celle-ci s'est développée plus qu'une autre en fait. Mais j'aurais pu être comédien, je pense, parce que j'aime ça. Après je ne l'ai pas travaillé, mais je pense avoir quelques petites facilités en tout cas pour ça. Réalisateur, en tout cas l'image, ça m'a toujours intrigué. D'ailleurs, dans mes musiques, même dans mes créations, l'image est toujours omniprésente. Je fais toujours des installations avec de la vidéo, enfin voilà. Et peut-être qu'un jour, je me dis que je n'ai jamais assez vieux pour faire les choses. Bonne idée, comédien, j'aime bien. Très bien, pourquoi pas. Alors, merci Pierre de m'avoir reçu. Je t'en prie. Très contente d'interviewer aujourd'hui. Bon, super. Ben, merci à toi.